Et bienvenue à tous sur Staff Live, j'espère que vous allez bien. C'est ma 11e incursion dans le monde de Quantum Break. C'est vrai que la dernière fois j'avais quand même bien pris dans mon cul. Et je pense que cet épisode vous réserve la même chose, c'est-à-dire je vais réellement en prendre encore dans mon cul. C'est une évidence. D'un côté, je vais pas me plaindre, j'ai mis en difficile, c'est pas comme si je m'attendais pas à m'en prendre vraiment dans les fesses. Mais bon, de là à me faire vraiment défoncer non-stop comme ça s'est passé dans différentes sections, c'est vrai que je m'y attendais pas. D'un autre côté, Quantum Break, c'est vraiment sympa et c'est punchy, surtout au niveau des combats, autant que ce soit difficile. Même si, j'avoue... La scène du pont était surréaliste. C'était pas des flics. Ils n'avaient aucun droit de faire ça. Mais la campagne de communication de Monarch avait porté ses fruits. Eux, c'était les héros qui protégeaient le peuple. Et vous étiez le terroriste. Exactement. Oh, la meuf a fait un selfie avec le mec de Monarch. Il s'en fout. Ah, je suis passé. Oh non, un Golgoth. Non, mais non, pas un Golgoth. Putain. Petite zone, ça va être tendu. Ok! Oh, la petite zone! Des ennemis et un Golgoth! Super! Ce là, c'est un Supra Golgoth! C'est pas les mecs juste vraiment tanky que j'appelle les Golgoth. Là, c'est un Supra Golgoth. Donc, ceux qu'il faut vraiment buter dans leur dos. Problème, ça serait que. Il faut que j'arrive à le shooter, mais je crois que j'ai plus trop de munitions. Ils reviennent pas assez vite quoi. C'est le moment de bouger. Oh. Ah, mais putain, allez vous faire enculer quoi. Ah bah oui, les bagnoles qui explosent, bah oui, bah... Fallait s'en douter, non mais lol. Comment je peux faire? Stratégie du jour. Ah, déjà pas crever, ce serait cool. Le problème c'est qu'on peut pas switcher en arme maintenant. Pas avant la séquence. Pas tout le temps quoi. La bagnole. Bagnole pour protéger.
truc là. Merci pour le tuyau. On s'éloigne, on s'éloigne, on se perd. Mais il y en a combien, les gars? Putain, vas-y, balancez des grenades aussi, je vous dirai rien, on est cons. J'ai plus de munitions du tout. J'ai pas envie de m'approcher pour les prendre. Il y a plus que le Golgoth ou il y en a un autre? Ah, il y en a un autre là. Oh, putain, ma gueule. Non, pas que je fasse ça. Non. Sauf toi, tu peux le faire. C'est vrai que ça marche pas sur lui, ça sert à rien. Speed, merci. Il est pas mort? Ok. Si. Ok, c'est bon. Tout va bien. Je dois juste traverser ce putain de pont. Oh. Et après, je vais... Bon, faire le plein en armes. Fusil à pompe, voilà. Je garde celle-là. Ouais. Ouais, le fusil à pompe, c'est toujours une valeur sûre. Ouais. Oh, le super Golgoth, comment c'était relou, quoi. Oh, il y avait une munition sur le bord. Putain, si j'avais su. Sans déconner, le pouvoir, s'il pouvait partir plus vite, j'appuie comme un dingue sur la souris, non, ça part pas. Donc en fait, une fois sur deux, fuck it le gameplay. Voilà, là c'est parti. Je continue à descendre, en direction du cargo. Sauter, pas comme tout à l'heure. Ma progression vers le bas était loin d'être une promenade de santé. Alors, par où aller? La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment. Se décalait et se confondait sans arrêt. La fin du temps ressemblait à ça. Tout était brisé, chaotique, figé. Et personne ne s'en rendait compte. Sur la poutre. J'ai quand même un doute là. Ok. Gentil bateau. Oh non, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux.
fractures s'aggravaient. Les objets traversaient le temps. Dans un chaos total, des lignes temporelles se chevauchaient. Et ça allait empirer, à moins de tout arrêter. Vous n'imaginez pas la puissance de cette technologie. Vous devez absolument la remettre à Monarque. Je me suis préparée à ce qui va arriver. Vous dites vous y êtes préparée, mais à aucun moment votre plan ne prévoyait d'empêcher ces événements. Même si je réparais la machine de William, vous espérez quoi au juste? La fin du temps approche. Il n'y a aucun moyen de... Hé hey! C'est pas un débat! Je viens de voir un bateau s'encastrer dans un putain de pont! Le temps s'écoule rapidement et la fracture s'aggrave de minute en minute! On ne peut pas l'arrêter. Paul s'est rendu à la fin du temps. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous ne comprenez pas? On s'est préparé à ce qui va arriver par nécessité. Vos recherches s'appuient sur le travail de William Joyce. Vous le respectiez. Il savait que la fracture allait se produire. Il savait aussi qu'on pouvait l'arrêter. Will a conçu un outil anti-fracture. Ça. La contre-mesure. Nous allons aller dans le passé. Pour la récupérer. Aidez-nous à nous y rendre au plus vite. Ou bien... nous resterons en désaccord. Je dois faire des tests sur cette machine. Avant ça, je ne peux rien vous promettre. Amy, emmenez Amaral à la machine. Surveillez-la. Pas de problème. Ok, docteur, allons-y. N'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Et surtout, ne me jouez pas de mauvais tours. Ou vous risquez de le regretter. Jack, avant qu'on descende, il faut que je vous parle de quelque chose. Mm-hmm. C'est quoi? C'est le quart d'heure romantique ou c'est le quart d'heure révélation? Jack, vous êtes beau, avec votre veste en cuir et votre petite barbe de 3 jours toute douce. Bien, j'ai dû parler. Objet. Regardez ça. Hatch. C'est le type qui est venu me voir dans la cellule. On dirait que Seren a une dent contre lui. D'après les communications de Monarch, Hatch a saboté un de leurs labos. Il essaie peut-être d'évincer Paul, mais j'ai pas l'impression qu'il soit dans notre camp. Alors, qu'est-ce qu'il y a? À propos du plan. Si Amaral arrive à faire fonctionner la machine... On retourne à hier et on annule tout ce foutoir. Écoutez, dans la vidéo que Will m'a laissée, il disait que c'était moi qui avais volé la contre-mesure dans son atelier. Le 4 juillet 2010. C'est peut-être bien le cas, Jack. On a une machine à voyager dans le temps. Donc selon vous, on va en 2010 et on la vole? Si Will a vu juste, ça voudrait dire qu'on reproduirait le passé. On va chercher la contre-mesure, on la rapporte dans le présent et on répare la fracture. On sauve le monde, quoi. D'accord. Expliquez-moi pourquoi c'est un meilleur plan que de nous rendre à hier pour tout simplement empêcher que tout ça se produise. Parce que d'après ce que je sais sur les voyages dans le temps, on ne peut rien changer au passé. Le passé s'est déjà produit. On ne peut rien y faire. Mais si on suit mon plan, on le reproduit. Je sais pas. Franchement, mon plan est quand même plus simple. Essayons déjà de faire fonctionner la machine. Alors, je disais avant d'être coupé par les dialogues... Chez Will, c'était maladif. J'ai une autre idée. Quand on était gamin, le seul moyen qu'il avait trouvé pour me faire passer les messages importants, c'était de communiquer avec ma girafe en plus, parler, pendant que j'étais dans la gueule. Pièce. Mais ta gueule! Tu vas fermer ta putain de gueule! C'est mignon. Et bizarre. Donc, le plan... Selon moi, c'est tu reviens vraiment en arrière quand le mec a fait sa première expérience. Et on est bien. Et c'est plus simple. Après, elle dit qu'on peut pas revenir dans le temps parce que c'est pas possible. Et si, c'est possible. Tu mets de la mauvaise volonté, on peut pas revenir de l'autre côté.
Quoi ça sert d'ouvrir la porte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, donc on peut pas l'ouvrir dans l'autre sens. Ok, SOP. De Cronon quoi. Bien sûr qu'elle est au courant, l'autre. Elle nous cache quelque chose, mais c'est elle énorme. A trouvé quelque chose. Je sais pas trop. Je vais aller voir. Ce serait pas possible qu'elle ne cache rien. Salut. Alors, c'est grave? Le problème n'est pas très compliqué. Le contacteur de puissance est HS. Vous allez devoir trouver un moyen de le remettre en route. Ici, là où se trouve la lumière. Mmh. Je vais vous descendre l'échelle. Qu'est-ce qui est arrivé au contacteur de puissance? Une surtension a eu lieu ce matin à 7h, quand la machine s'est activée. 7h. Mais on est arrivé ici que plusieurs heures après. Les chiffres ne mentent pas. Ok. Sur la console, il y a deux lumières rouges, une lumière verte. Vous allez devoir rétablir le courant dans les deux stations aux lumières rouges avant d'activer le contacteur. Mmh. Les deux stations sont situées au-dessus de la machine. Vous n'avez qu'à suivre les câbles qui partent des lumières rouges. Au-dessus de la machine. C'est l'endroit rêvé pour mettre un interrupteur, Will. C'est vrai que c'est pas très malin, vous pouvez pas le mettre en bas, l'interrupteur. Ça y est, la première lumière est devenue verte. Parfait, encore une. Je ne suis pas sûre que vous puissiez atteindre la deuxième par là. Vous allez peut-être devoir redescendre et aller de l'autre côté de la machine. Comme ça, non? Par où je grimpe? En haut. Non. Non. Ça faut pas faire, jamais. Jamais faut faire un truc aussi con. Le mec. Y a pas moyen de grimper. Non. C'est que je peux grimper. Ça donc, je peux aller peut-être remonter sans doute, non? Pas sûr qu'il fallait descendre. Si je saute dans la singularité, il n'y a pas moyen. Il faut descendre, je pense, non? Ou alors grimper par là-bas peut-être. Attends, je vais essayer un truc. Hop. Sans me tuer. Référence. Pas moyen de descendre par là. Oui, mais c'est là, mais où? Alors, je suis hashtag aveugle. Aller par là. Et si je saute, on est que je meurs. Non, je suis pas mort. Alors, on peut pas grimper par là. Alors, là-bas.
Comment je grimpe? Peut-être par là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me suit? Non mais je rêve. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes mes affaires. De la maison de nos parents. Il a tout conservé. Petit doudou. Il devait penser que vous finiriez par revenir. Qu'est-ce qu'il y a ? Toto. C'est ma signature. Vous avez fait ça ? C'est la première fois que je viens ici. La femme sur cette peinture, c'est vous ? Alors ? Jack. Faut que je vous parle. En 1999, j'avais à peine 8 ans. Je jouais dans le jardin quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle venait du futur. Elle m'a donné des détails très précis à propos d'événements qui allaient se produire. Elle m'a donné ça. Il renferme des dates, des événements, des tas de preuves. Jack, cette femme... C'était vous ? Tous les événements que je me suis annoncés se sont produits. Tous les détails, bons ou mauvais, se sont réalisés. Et je n'y pouvais rien. Notre destin est déjà tout tracé, Jack. Tout ce qui nous a conduits ici, tous les sacrifices que nous avons faits, tout fait partie du cours des choses. On ne peut rien changer, rien n'empêche... Bess. Mais quand nous entrerons dans cette machine à voyager dans le temps, vous verrez. Bon. Si vous êtes vraiment sûr de comprendre comment tout ça fonctionne, on peut le faire à votre façon. C'est elle. C'est elle qui a fait tous ces graffitis un peu partout dans la ville. Oh, merde. Le carnet renfermait une foule de dates, d'événements à venir, d'instructions. Toute son existence avait été guidée par ces pages. Les niveaux de pronoms sont stables, les données sont positives. Ça va peut-être marcher après tout. Tout est prêt. Elle fonctionne vraiment. Ok. Ok, c'est parti. Je vais rentrer la date dans la console. 4 juillet 2010. Vous êtes prête ? Non. Et vous ? Non. Allez, c'est parti. Vous pouvez encore faire machine arrière. Gardez un œil sur Amaral pendant notre absence. Je veillerai à ce que Sophia se fasse pas... On y est. On n'a plus le choix. Non, attendez! Qu'est-ce que vous avez fait? C'était pas la bonne porte. Vous avez changé la date? Où elle est? Où elle est? Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas vous laisser prendre la contre-mesure. Ça aurait compromis notre plan. J'ai contacté Monarque grâce au terminal. Ils arrivent. C'est terminé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Merde ! Il nous faut la contre-mesure pour alimenter la capsule. Ouais, ok. Je vais le mener à bien, ce plan. Attachez-la et éloignez-vous le plus possible d'ici. Ça marche. Surtout, soyez prudent, Jack. D'accord ?
Votre premier retour dans le passé, 2010, c'est là que vos notes deviennent floues. Vous savez comment ça a fini. Votre but à votre arrivée était de récupérer la contre-mesure. Mais mon but a dû attendre. Parce que j'étais pas seul. Qu'est-ce qui se passe ici? Et depuis quand Will a un atelier de graffiti? Rien de tout ça n'était là en 2016. C'est fermé. De toute façon, faut que j'aille voir d'où viennent ces coups de feu avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre. C'est qui, bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? On y est. On n'a plus le choix. Jack ? Le docteur Amaral m'a envoyé dans le futur. J'ai lutté pendant des mois pour essayer de revenir. Je n'étais pas toute seule. Stop ! Je l'ai suivi. La machine de William était réglée sur 1999. Le premier point de sortie possible. Tirez pas ! Tirez pas ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien. Je suis dans votre camp. Qui êtes-vous ? Je suis Bess Wilder. Il faut que je vous parle. Vous l'avez poussé à construire la contre-mesure. Et vous êtes resté là tout ce temps. Pendant 11 années? Pourquoi? Pourquoi ne pas être revenu? Préparons-nous. On manque de temps. Elle avait changé. Et il y avait une sorte de gravité dans ses yeux. Elle cachait quelque chose. Oui, depuis le début. J'en peux plus de tout ça. J'en ai marre. Je peux plus faire ça. À votre avis, qu'est-ce qui a changé en Bess ? Elle a perdu espoir. Pourquoi je vais aller dans les toilettes ?
11 ans. Je vais ouvrir la porte. Alors, où est Will? Où est la contre-mesure? La contre-mesure est dans l'atelier de William. Là où il l'a construite. Dans ce cas, c'est là qu'on va. Oui. C'était le plan. Il faut juste que j'ouvre ça. Mon matériel est en haut. On doit aller le chercher. Il y a tant de choses que vous ignorez, que vous n'avez pas vues. J'avais abandonné l'idée que vous reviendriez un jour. Je dois être sûr que vous y croyez toujours. Je vous ai déjà dit un jour que notre destin était déjà tout tracé. J'y crois toujours. Plus que jamais. J'ai juste peur de ce que ça pourrait vouloir dire. Ah, mais il y a des flingues et tout. Ça veut dire qu'on doit... Vous avez besoin de matériel? Ah ouais. Prenez ce que vous voulez. De toute façon, je vais jeter à l'eau tout le reste de ce que j'ai apporté ici. Ah, mais t'as fait le plan. C'est pas un peu excessif? J'ai fini ce que j'avais à faire ici, Jack. Je dois effacer toute trace de ma présence. Dites-moi quand vous êtes prêt à y aller. Bon. La contre-mesure est dans l'atelier de Will. On la récupère, et après? On la rapporte ici, on retourne dans le futur grâce à la machine. Et là-bas, on s'en sert pour arrêter la fracture. Ça a toujours été ça, le plan. Et c'est toujours le cas. Oui. Quand vous êtes entré dans cette machine, j'ai voulu vous suivre, mais... J'ignorais où Sophia vous avait envoyé. Comment vous trouvez? Vous êtes ici. C'est tout ce qui compte. Vous avez suivi le plan. J'ignore ce qui vous est arrivé. Mais on va le changer. Arrêtez. On peut réparer ça. Arrêtez! On peut annuler vous tout ça. Vous n'avez toujours pas compris. On ne peut rien changer. Quoi qu'on fasse, tout retombe toujours exactement en place. J'ai essayé. Encore et encore. Je peux pas rester là à rien faire. Vous devez l'accepter. Jack. Vous devez l'accepter. Je l'ai vu. La fin du temps. C'est là qu'elle m'a envoyé. J'étais là. Je me suis battue toute ma vie pour l'empêcher. Et je vous ai vu échouer. J'ai vu ce qui se passait. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus si on peut gagner ce combat. On mourra en essayant. Allez, prends un flingue, ça ira mieux. Après cette pub déguisée pour la NRA, j'espère que vous avez profité d'un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'action et beaucoup d'histoires, et c'est vraiment très très immersif. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On se retrouve bientôt sur Restaff Live.